grâce à ma fondée, à papa, pour vous commander, 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 pour vous Donc là va, il y a une mission à trouver ça aux autres sangs comme il faut. Place nous à Ouessa de société. Ah? Oyogi, allez, quittez! Polo ça, on est là, 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 là, va! Ah! On est là, on est là, on est là. Comment vous êtes? Ah, ouais, on est là, vraiment. Qui savent là? Et en plus, il y a qui est commis partout en Europe, dynamique, qui est commis partout en Europe. Comment vous êtes? Ça et comme ils sont partout. Tout comme la Suède, tout comme la Paris, tout comme la Lille, tout comme la Bruxelles. Et puis base la Suède qui est toujours Londres en bébé. Bisson la dynamique Congo. Deux ans pour avancer dans le colo. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui encore une fois dans le bureau prestigieux de notre frère Emmanuel Dodi, Pasteur. Bonjour, prophète. Bonjour, monsieur le journaliste. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour pouvoir saluer tous ceux qui nous suivent et ceux qui sont fidèles à la chaîne qui est la leur, qui est ma chaîne, qui est la vôtre, qui appartient à tous. Que Dieu les bénisse. Merci. Alors, aujourd'hui, les gens entendent le bruit, vous entendez le son de l'extérieur. En fait, il y a une fête qu'on organise ici. Eh bien, on va essayer un peu de voir. Est-ce qu'une église peut-elle fêter en réalité? Si elle doit fêter, elle doit fêter quoi? Quand on sait que la Bible est aussi un document culturel, historique, appartenant à un peuple, est-ce que les fêtes d'un peuple que nous sommes en train de fêter ici, on essaie d'en parler? En fait, en arrivant, on va voir les images. Un plein à craquer à l'extérieur. L'atmosphère de la fête, c'est de quelle fête on parle? Oui, merci. D'entrée de jeu, je dirais un peu ceci. La Bible n'est pas un livre culturel. Ça, carrément, vous touchez l'âme de ce qui fait la force de notre existence. Mais non. La Bible, c'est un livre sacré. Nous pouvons accepter dans la mesure où, du fait qu'elle parle aussi de l'histoire, parce qu'il y a avant et après, nous pouvons dire aussi que c'est un livre historique. Culturel, non. C'est vrai, mais du fait que la Bible parle de l'histoire juive, cela ne fait pas de la Bible un livre culturel. Non. C'est tout simplement. On ne parle pas de la culture juive, on ne parle pas de la culture mongo, pas de la culture bantou, pas de la culture du Katanga. C'est la culture. Merci. C'est là où j'arrive. D'accord. C'est tout simplement l'Israël, c'était une nation phare. Ok, hein? C'était la préfiguration de l'Église. Hein? Dieu a choisi l'Israël pour faire voir sa gloire et nous enseigner de l'Église qui viendrait. C'est rien que cela. Ça n'a rien à faire. Il y a même ceux qui disent Jésus, c'est un blanc, il appartient aux blancs, aux juifs. Non, non. Jésus, c'est la parole faite chair. Jean chapitre 1, de 1 à 12. Il pouvait être portugais, il pouvait être congolais, il pouvait être zambien, sud-africain, marché. Très bien. Ok, revenons sur la chose. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, me voici devant vous encore. Ma demande est que je sois ici avec amour et avec joie dans vos cœurs et surtout dans vos maisons. Oui, nous célébrons la fête. Tenez.
Parfois, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il dit? J'ai dit ceci. Aujourd'hui, là, nous sommes dans ce petit bureau. Les bruits que vous entendez, c'est vraiment l'ensemble. Les gens sont dans l'ensemble, sont en train de célébrer cette manifestation. Les fêtes, il y en a autant. Pas là, je parle au pluriel. Il y en a 600. Mais celle que nous célébrons aujourd'hui, elle s'appelle la fête de la moisson. Je ne vends rien. Lévitique, je parle avec les écritures. Un serviteur, c'est celui qui parle avec les écritures. Même si journaliste, c'est la qualité. Il y a des livres culturels, ce que je n'accepte même pas. À nous, enfants de Dieu, qui croyons en Dieu, dans son Fils, et ayant la Bible comme un livre sacré, hein, nous ne pouvons parler sans se référer à celui-ci. Lévitique chapitre 23, de 1 à 4, il est dit, « Voici les fêtes, suivez-moi bien, voici les fêtes de l'Éternel que vous publierez selon des saintes convocations et à leur temps fixé. » Ok, voici les fêtes. Qui parle? C'est l'Éternel. Par le canal du grand prophète Moïse. Il s'adresse à l'Israël en passant par une personne interposée qui est le prophète Moïse. Il dit, voici mes fêtes que vous célébrerez, que vous publierez à leur temps fixé. Là, je m'arrête en paix pour ouvrir une parenthèse que je vais refermer rapidement. Je sais, il y a tout un débat quant à ça. Et ceux qui disent, ok, nous sommes dans la grâce. Nous n'avons pas besoin de célébrer les fêtes. Je vais balayer toutes ces choses-là, maintenant là. C'est vraiment un mensonge. Il y a ceux qui disent que ce sont des fêtes juives. La réponse est non. Il est dit, voici les fêtes de l'Éternel. Où est-ce qu'il est dit? Où est-ce qu'il est écrit? Voici les fêtes juives. Mon Dieu, ma foi. Voilà pourquoi j'ai essayé de corriger le bien-aimé journaliste quand il disait que c'est un livre qui dit. J'ai dit non. C'est Dieu qui dit. Voici les fêtes de l'Éternel. À moins que vous puissiez me dire que l'Éternel, que ce Dieu-là, appartient qu'à l'Israël. Alors, mais, là, en ce moment-là. Mais il y a des questions beaucoup plus fondamentales. Vous parlez de ces fêtes. Alors, aujourd'hui, nous sommes sur la grâce. Vous avez dit que vous allez balayer. Mais j'aimerais que vous puissiez nous dire quelle est la fête à laquelle Jésus a pu part quand il est venu sur terre. Il a participé à quel type de fête dans une église? Ou lui-même a célébré quel type de fête dans une église? Très bien. Bonne question. Je ne pouvais pas s'attendre à une telle question. Heureusement, vous l'avez posée. Jean 7, je donne la réponse. Heureusement, rien n'a été préparé. Parce que de la façon dont je vous connais avec votre intelligence, nous ne préparons rien. C'est 130, nous créons des choses. Jean chapitre 7, verset 2, lisez. Jésus s'est rendu à la fête des tabernacles. La réponse. Je dis bien, Jean, nous sommes dans le Nouveau Testament. Jean chapitre 7 verset 2, Jésus s'est rendu à une fête juive appelée tabernacle. Vous voyez, Jésus est allé à une de ces fêtes pour dire que les fêtes n'appartenaient pas aux juifs, mais les fêtes appartiennent à l'Éternel. Que les juifs ont célébré d'autant plus que les juifs ou l'Israël, cette nation-là, étant une nation précurseur, une nation qui a exercé la préfiguration, Dieu a testé autant de choses qu'il allait faire avec l'église. Quand Jésus arrive, c'est pourquoi en Matthieu chapitre 5, mon Dieu, ma foi, verset 17, je parle avec les écritures, là je suis déjà dans le Nouveau Testament, comme vous l'avez dit, Matthieu 5 du 7, Jésus a dit que moi, Jésus, je ne suis pas venu à abolir la loi ou les prophètes. Est-ce que vous me suivez? Jésus qui dit, je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes. Maintenant, comment le pasteur et les serviteurs abolissent ce que Jésus n'a jamais aboli? Mais la moisson, parce qu'on en parle, est-ce que Jésus a pris part à la fête de la moisson? La fête de tabernacle, c'est une autre fête qui n'est pas la fête de moisson. Il y a très bien. Des règlements, des prescrits différents par rapport à la fête de la moisson. Est-ce que Christ a pris part à une fête de moisson? D'accord, j'arrive. Je vous aime parce que les questions que vous posez, elles sont tellement intelligentes. D'autant plus que ce que j'aime en vous,
en dehors de ce travail d'être journaliste, tu es un bon juriste. Maintenant, j'appliquerai déjà la jurisprudence que je vais lire à l'écriture. Romains 11 dit ceci. Si un morceau de pain est à moi, tout le pain m'appartient. Du fait qu'il a participé à l'une de ces fêtes, ça veut dire que les autres ont été inclus. Et même alors, très bien, est-ce qu'il a participé à la fête de la moisson? Mais oui et non. Pourquoi? Dès lors, on nous présente déjà qu'il a participé à la fête du tabernacle. Or, la fête du tabernacle, c'est la dernière de toutes les fêtes. Comment il pouvait participer à la dernière fête sans pouvoir participer à d'autres fêtes? Et en jurisprudence, s'il a participé là-bas, c'est qu'il a participé aussi là-bas. Alors là, on est d'accord que vous êtes en train de l'église, mais pourquoi juste après, l'apôtre Paul, Pierre et tous ceux qui ont bâti l'église, après, pourquoi ne pas parler de ces fêtes? Merci, une bonne question. Oh là là! C'est comme si nous sommes convenus que Dieu vous bénisse, d'ailleurs, et que ceux qui nous suivent à la question posée, en voici la réponse. Colossiens, comme je venais de répondre à ce qui concerne Jésus. Colossiens, chapitre 2. Hein? Colossiens 2, 16. Paul que vous venez de citer, il dit ceci. Que personne et personne alors ne vous juge au sujet du sabbat, au sujet du manger, au sujet d'une fête. C'est Paul qui dit que personne ne vous juge. Or, ceci expliquant cela, quand il dit que personne ne vous juge, c'est qu'il accepte, il endosse, il entérine. Que personne ne vous juge au sujet d'une fête. Voyez-vous, que personne. C'est-à-dire, il a trouvé les gens qui jugeaient les gens par rapport à des fêtes, comme vous le voyez aujourd'hui. Bien-aimés, vous qui me suivez maintenant, mon frère journaliste, le secret de l'Église, c'est les fêtes de l'Éternel. J'insiste et j'insiste. Il y en a combien? Il y en a six. La première, c'est le pain sans levain, qui est la fête pascale. C'est ça même la Pâque. La deuxième, c'est la première gerbe, où on parle de succès, du succès, de la réussite. Trois, c'est celle-ci, la fête de la moisson. Lévitique 23, 15 à 16, vous compterez 50 jours. Donc, rien n'est inventé. Les 50 jours que nous venons de terminer aujourd'hui, c'est pas moi qui se lève un bon matin, qui appelle les gens, venez, venons, faisons ceci. Mais non, je fais que ce que Dieu veut que nous fassions. C'est ce que nous sommes en train de faire. Cette fête, elle s'appelle la fête de la moisson, c'est une prière de 50 jours. Commencée depuis le 28 mai, nous allons la terminer aujourd'hui 16. C'est un moment extraordinaire. Tu me suis, je te conseillerais de parler avec ton pasteur. Que papa, est-ce qu'est-il possible qu'on célèbre les fêtes? D'autant plus que les fêtes n'appartiennent pas aux Juifs, ce sont les fêtes de l'Éternel. C'est très important. Alors la quatrième. Puis on va revenir sur la moisson. Merci, c'est magnifique. Bonne question. C'est un bon cheminement. La quatrième, c'est la fête d'acclamation, qui est la fête des trompettes. Cinquième, c'est la fête d'expiation, où nous parlons du grand pardon. C'est parmi le meilleur. J'aime beaucoup. C'est parmi la meilleure de toutes les fêtes. Et la sixième, c'est la plus grande que nous appelons la fête des tabernacles, où Jésus... Très bien. Alors, revenons sur la fête de la moisson. Merci. C'est quoi son importance dans la vie d'un chrétien? Magnifique. Cette fête renferme beaucoup, beaucoup de choses. Tellement bonnes. Comme il est écrit, il fait chaque chose bonne à son temps. En voici les avantages. Premièrement, quand quelqu'un célèbre cette fête, hein, Dieu introduit, fait connecter la vie d'une personne à moissonner. Ça veut dire ceci. Il y a de ces gens-là, mon frère Christian, quand il commence quelque chose, il ne la termine pas. Quelqu'un qui a mis au monde, parfois les enfants ne s'occupent pas de lui. Quelqu'un qui travaille comme s'il ne travaillait pas. Même pour nous les serviteurs. Vous trouverez d'autres pasteurs. On te dit c'est un pasteur. Mais la vie quand même que le pasteur mène
ne concorde pas avec d'autres réalités. C'est-à-dire, en célébrant la fête de la moisson, ce que Dieu a décidé d'imprégner, de connecter nos vies à moissonner. Celui qui célèbre cette fête, ce que quoi qu'il en soit, moissonnera toujours. Comme il est écrit, il y a on sème avec larmes, on moissonne avec joie. Deuxième avantage. Matthieu chapitre 13, verset 24 jusqu'à 30. La Bible dit, au moment de la moisson, j'enverrai les moissonneurs pour arracher des livrées. Vous connaissez l'ivraie et les colombettes sauvages. Ce sont des mauvaises herbes qui tuent. Pendant cette période de la moisson, Dieu enlève des mauvaises choses représentées à des livrées, à des colombettes sauvages que l'ennemi avait semées dans nos corps, dans nos vies. C'est pendant cette période. Trois. Parce qu'il a dit, vous compterez, hein, pour parler de cette fête, Lévitique 23, 15 jusqu'à 16, vous compterez 7 semaines entières et vous compterez 50 jours. Lévitique chapitre 23, verset 15 jusqu'à 16, la Bible dit, vous compterez 7 semaines entières et vous compterez 50 jours entiers. Très bien. Ça veut dire ceci. C'est que les prières faites ont été regroupées en semaine. Or, vous comprendrez que les 50 jours ont 7 semaines. Chaque semaine avait son enseignement et sa prière proprement dite. Chaque semaine. Et donc, il y avait les bienfaits liés à chaque semaine. Oh, c'était un bon moment, un moment extraordinaire. Est-ce que chaque fête a un ange? Non. Aujourd'hui, l'Église n'a pas besoin plus des anges, l'Église a besoin de l'Esprit. Parce que la Pentecôte a déjà eu lieu. Mais au moins, à ce qui concerne cette fête de la moisson, à ce moment-là, la présence des anges et des archanges s'invite et s'impose. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison, parce que Jésus a dit, au moment de la moisson, en Matthieu 13, 24 à 25, j'enverrai les moissonneurs. Ces moissonneurs-là sont des anges en d'autres termes. Rien que pour cette fête. Comme l'a dit Jésus, au moment de la moisson, j'enverrai le moissonneur. Rien que pour cette fête, j'insiste et j'insiste. Mais pour d'autres fêtes, je ne pense pas qu'on ait besoin de la présence des anges, d'autant plus que l'Esprit est avec l'Église. Est-ce que pendant la moisson, la délivrance est effective? Est-ce que pendant la moisson, les maladies sont guéries? Est-ce que les maladies disparaissent? Est-ce que le problème part? Est-ce qu'il y a-t-il une délivrance appropriée à la moisson? Effectivement! Parmi les bienfaits que cette fête de la moisson amène, c'est cette délivrance et délivrée. Comme je venais de le dire, Jésus avait dit, attendez le moment de la moisson. Maintenant que nous sommes pendant ce moment-là, ipso facto, les gens doivent être délivrés sans conjuguer aucun effort. La délivrance de la moisson, c'est que Dieu enlève, livrer les colombettes sauvages, les mauvaises herbes qui représentent péché, maladie, blocage, toutes ces choses que Jésus a présentées comme l'herbe mauvaise, comme colombettes sauvages, comme ivres. Il a dit, au moment de la moisson, j'enverrai les moissonneurs. C'est cette délivrance extraordinaire et d'autres choses qui s'ensuivent, bien sûr. Alors, on va terminer notre débat. Qu'est-ce que vous dites à ceux-là qui ont raté cette moisson, s'ils sont en Europe? Sincèrement, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour se rattraper? C'est avec un cœur de marbre que je m'exprime. Mais hélas, ceux qui sont en Europe, c'est contrairement à leur volonté. Mais parlons un peu assez, seuls et ceux qui sont à Kinshasa. Si nous étions vraiment dans une véritable église de corps, ce que nous faisons ici, ça devrait être fait partout. Et dans toutes nos églises, et dans toutes nos assemblées, et dans toutes nos paroisses. Mais hélas, le drame et la difficulté, c'est que nous avons autant de religieux que de vrais chrétiens. Je donne un exemple. Et c'est même de nous augmenter de 2-3 minutes. Vous savez, nos frères musulmans, dans le fond, il y a autant de courants. Vous trouverez les sunnites, les chiites, les alaouites. Très bien. Mais ce qui m'intéresse chez les musulmans, quand le ramadan arrive,
que ce soit les chiites, les sunnites, les alaouites, mais au moins ils convergent vers un objectif commun. Voilà ce qu'ils comprennent. Chez les juifs, il y a les sionistes et les autres. Quand les fêtes juives arrivent, c'est tout le monde, hormis leur division. Maintenant, si réellement nous étions des chrétiens, d'autant plus que ces fêtes appartiennent à l'Éternel, rien et rien ne devrait nous diviser, mon Dieu, ma foi. Ici, nous ne parlons pas ni des dogmes, ni des doctrines. Non, nous parlons des fêtes de l'Éternel. Parce que ce qu'ils disent, vraiment une minute, ce qu'ils disent, ce sont les fêtes juives. Nous sommes dans la grâce. Mais très bien, ils sont dans l'ignorance, frères et sœurs. Dites à ton pasteur ceci. Je sais, vous savez, quand on est buté devant une ignorance, au lieu d'accepter les évidences, les gens vont basculer, il est orgueilleux. Est-ce que vous me voyez en train de vous parler avec un langage orgueilleux? Mais non, c'est là, c'est le reproche de quelque chose. Et j'arrive. Dites à ton pasteur, papa, tu me dis que le fait, c'est le fait de l'Ancien Testament. La dîme que ton pasteur prélève, ce n'est pas le Nouveau Testament. Monsieur le journaliste, suivez-moi bien. S'il y a ceux qui vont poser la question, dites-leur. La sœur Emmanuel a dit ceci. Où est-ce que Jésus qui a amené la grâce a prélevé la dîme? C'est l'Ancien Testament. Très bien. On avance. Deux. Le feu que le pasteur invoque, c'est l'Ancien Testament. Jésus avec la grâce. Très capital, c'est que Jésus n'a jamais invoqué le feu. Trois. L'offrande du prophète. On ne voit pas un prophète aimer vite. C'est l'Ancien Testament. Pourquoi accepter la dîme? Accepter l'offrande du prophète, invoquer les faits et refuser les faits, c'est malhonnête. Mais il y a d'autres qui ne font pas ça. Il y a certains prophètes qui ne prennent pas la Bible, qui ne prennent pas la parole du prophète. Vous ne prenez pas la parole du prophète de toute façon. Évidemment. Alors, vous ne prenez pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, parce que ces pasteurs, je les ai entendus dire, ils ont dit, ben, la fête, ce sont des fêtes juives. Ce sont des fêtes de juifs. Ils sont malades, ces pasteurs. Ils ont de venir là-bas. Mais, frère, sinon, ça serait vous demander trop. J'allais vous demander qu'on fasse le petit exercice qui a été fait la fois dernière. Vous avez lu, mon Dieu. Est-ce que ces pasteurs-là, loin de moi de les qualifier de Dieu, la Bible dit, monsieur le pasteur, journaliste chrétien, quand il va parler avec ces faux pasteurs-là, dites-leur ceci. La Bible dit, voici le fait de Dieu. Nous ne comprenons pas ces français-là. Qu'on parle dans quelle langue? En espagnol ou en anglais? Voici le fait de l'éternel. Nous parlons français. Comme vous êtes là, vous dites, cette affaire m'appartient. Maintenant, quelqu'un vient, oh non, ça t'appartient. Monsieur, prouve de quoi? La Bible est claire. Voici les fêtes de l'Éternel. Comment les fêtes ont quitté l'Éternel pour être les fêtes juives, ma foi? On ne s'entend pas pourquoi. La Bible dit, voici les fêtes de l'Éternel. Je l'ai répété mille fois pour que ces gens-là entendent et comprennent. Voici les fêtes de l'Éternel. La Bible ne dit pas voici les fêtes juives. C'est eux qui ont tordu le sens. Il y aura un qui vous mettez en doute, mais j'ai vu aussi parler de la fête de l'Éternel. Les fêtes de l'Éternel. Est-ce que vous... Dans cette ville, oui. Nos frères de la Seca, oui. Il y a les pancartes partout. D'ailleurs, elles sont claires. Elles célèbrent les fêtes juives. Ils sont clairs, les fêtes juives. Moi, je ne serai pas les fêtes juives. Si vous voulez les fêtes juives, allez à la Seca. Moi, je célèbre la fête de l'Éternel. Suivez mon langage. Il y a différence entre la fête juive et la fête de l'Éternel. C'est aux gens de la Seca de démontrer pourquoi ils célèbrent les fêtes juives. Quant à moi, moi, je dis ceci. Moi, je célèbre avec toute l'Église les fêtes de l'Éternel. C'est lui qui a dit, voici mes fêtes que vous célébrerez à leur temps fixé et de génération en génération. C'est Dieu. Maintenant, le pasteur qui dit, allez aussi les opposer ceci. Vous dites que Emmanuel, ce qu'il fait là, c'est bien, mais c'est le fait de l'Ancien Testament. C'est le fait du juif. La dîme que vous prenez, monsieur Christian, qu'on regarde bien la caméra. Si vous connaissez un pasteur qui refuse la dîme, gloire au Seigneur. S'il y en a. Alors, mesdames, messieurs, vous avez compris notre logique. On va donc laisser les prophètes se reposer un peu et puis rentrer dans la salle. Et nous, ils vont nous trouver là-bas. Donc, nous, on va voir comment ça se passe et on va continuer après. Mais prophète, avant de vous laisser, il y a la question que je vous ai posée sur les fêtes juives.
on entend parler généralement. Et vous, le fait d'être même, vous devriez quand même. Voilà. Très bien. Ici, ce n'est même pas moi qui donne les noms. C'est l'Éternel qui a donné les noms. Parce que les fêtes sont organisées à son honneur, pas à ton honneur, ni à mon honneur. C'est celui qui organise la fête qui donne les noms. Soit c'est une fête de mon anniversaire, soit c'est une fête de ma nomination, soit c'est une fête de ma collation, soit c'est une fête de mon mariage. C'est à celui qui a organisé d'en donner les noms. Ici, ce n'est pas à Emmanuel, mais c'est les fêtes de l'Éternel. Emmanuel et les enfants de Dieu, nous sommes que les simples invités de celui qui a organisé, celui qui a donné les noms, moisson, tabernacle, expiation, acclamation, première chaîne. Ok, ceux qui célèbrent les fêtes juives, il n'est pas bon de dire, ok, venez, nous célébrons les fêtes juives. Donnez les noms, parce que je connais, il y en a 9. Je les connais bien, j'ai fait la théologie. Les juifs ont 7, 9 fêtes. Mais moi, je parle des 6 fêtes de l'Éternel. Il y a la différence. Et l'Éternel lui-même a donné les noms. Et donc, mon dernier mot, ma dernière parole, c'est de vous inviter. Le plus grand secret, le musulman, au le moment. Les juifs, même moi. Et l'église aussi. Que personne ne vous trompe en disant, ce sont les fêtes de l'Ancien Testament. Je les répète et je les répéterai. Que ton pasteur ne mange plus la dîme. Que ton pasteur induit à ton pasteur de ne plus recevoir avec l'argent, l'offrande du prophète. Que ton pasteur n'invoque plus le feu. Si le pasteur invoque le feu, il mange la dîme, il reçoit avec l'argent, il est dans la loi et dans l'Ancien Testament, lui qui prétend être dans la grâce, qu'il se taise, qu'il se respecte, qu'on fasse ce que Dieu veut que nous fassions. Que Dieu vous bénisse, je vous invite. Partout où vous êtes. D'ici, à partir du mois d'octobre, nous allons célébrer les 3 fêtes qui restent, c'est-à-dire l'expiation, l'acclamation et le tabernacle. Je vous inviterai à venir participer, célébrer avec nous ces fêtes de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Mesdames, messieurs, suivez-nous dehors et on suit les cultes. On se retrouve très prochainement. Vous pouvez faire la même chose, le numéro est affiché sous le bas de l'écran. J'ai donné mon dernier mot à la fin de la séance.
Yebisa voisin Kenza ma bambo la yo. Yebisa voisin Kenza ma zalana yo. Yebisa voisin Koko mi ma kende yo potaki. Yebisa voisin Kenza mbe atelo ma futa. Yebisa voisin Kobanga te. Ah, pete la mono ma mono ma. Après, rapidement, Lévitique chapitre 23, Lévitique 23, 4 jusqu'à 9 jusqu'à 4 et de 15 jusqu'à 16. Rapidement, nous lisons la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de simples convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Ils ont semé avec des larmes, ils moissonneront avec des joies. Psaume 126, verset 1. Quelque chose de tout ça. Je ne pense même pas que tu es le désuteur. Quand un ennemi n'a pas lui voyé, vire les eaux chargées. Nous étions comme ceux qui font des rêves.
Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chant d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Nous sommes et dans la joie. Tu as fait pour nous des grandes choses. Nous sommes et dans l'allégresse, dans l'euphorie du chef. Éternel, ramène nos captifs. Comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Amen. Avant offrande, après ça, vous êtes bonjour, bonsoir, shalom, bonjour, femme. Aussi, ici, femme, à ton éternité, ma porte. Amen. Et le vie était là, comme un beaucoup malade. Banda muyo. Nalu kaka banda.
pendant que la
PC Bravo, on a besoin qui 3718 voix, mais là, on a payé la date, on a 26014 voix. Mais on a ajouté. On a dit, ouais. Mais pour mon papa, il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de temps. Vraiment, nous avons la chasse à l'imparité à mort. Nous avons la chasse à l'imparité à mort.
Merci. Voilà. Dans
quelques minutes pour que j'aille dans mon cause, mon souci, mon ami. Soit que ça ait été. Je pense. Maintenant, soyez prêts. Maintenant, vous êtes prêts. Nous savons ce que nous sommes en train de faire, nous savons. Parce qu'il va vous libérer dans 18 heures juste. Ce qui est commis et les cas. Et ça va nous atelier par présentation. Maintenant, na côté de ma solo aussi. Talana. Qui s'est n'a qu'à mis sur tout ça. Thank you.
laisser opération T. Dans un niveau, il y a révélation. Après, papa, il y a niveau, il y a puissance. Il va libérer. Il veut maintenant prophétiser. Donc là va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place lo awe za chouchouté. Ah? Oyoki, allez, quitte! Polo sa, on na ba tchabani na kalu, na lomo na kekuna! Na kekuna! Là va! Ah! Ah! On a zo mon arrange na ma. Comment ok? Ah, aïe, n'y a mika ka. Vraiment. Qui sa va? Et en plus, na yo ki ki yo komi partout na Europe, dynamique Congo, komi partout na Europe. Comment ok? Sala et comme je suis partout. Tu commis la Suède, tu commis la Paris, tu commis la Lille, tu commis la Bruxelles, et puis base la vie suédoise toujours Londres, Angleterre. Puisque on a dynamique Congo, tous les avancés dans le colo.